Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout petit vlog. Donc en fait on est lundi 15 mai. Donc ce matin en fait j'ai eu rendez-vous chez ma nutritionniste pour le bilan des 1 mois. Donc j'ai perdu 1,3 kg. Et donc j'en suis à 7 kilos et quelques. J'ai perdu 1 kilo de graisse. Et depuis un moment j'ai plus de rétention d'eau. Mais là, ça baisse de plus en plus, donc on est super contente. Donc en fait, là, c'était mon dernier bilan des 1 mois. Parce que là, maintenant, ce sera un bilan tous les 2 mois, comme ça fait déjà 6 mois. Donc voilà. Ensuite, je suis partie donc acheter mes chaussures. Parce que en fait, là, donc on est lundi et samedi, c'est le mariage de mon cousin. Et il me manquait en fait mes chaussures. J'avais tout sauf les chaussures. Donc je les ai trouvées, je suis super contente. J'espère que ça va aller niveau. Niveau hauteur, donc en fait je vais être habillée en noir et rose poudré. Et donc les chaussures c'est celles-ci. Donc elles sont comme ceci, elles s'attachent par un nœud à l'arrière comme ceci. Et là sur ce côté-là c'est zippé. Donc elles sont vraiment trop trop belles, je les trouve super jolies. Je les ai payées 22,90 €. Donc voilà, je les ai prises chez un magasin chinois. Parce que je m'habille plus là-bas, mais j'avais pas envie d'y mettre très cher. Et il y a que là-bas que je trouvais des chaussures rose poudrées, dans un peu le même genre. Parce que moi je voulais qu'elles soient recouvertes à peu près sur le pied, qu'elles aient des lacets, etc. Donc je les trouvais super jolies. Le talon ça va, donc voilà, je suis trop trop contente. Donc ça y est, ma tenue est terminée. D'ailleurs, je vais peut-être vous filmer mon look. Enfin, je veux dire, bref, je vais vous filmer samedi ma préparation pour le mariage, ma tenue, etc. Je verrai ça, je verrai si j'ai le temps parce qu'il se marie à 4 heures, mais vers 2 heures, on va tous chez mes grands-parents, etc. Donc je sais pas. Je verrai, donc ça veut dire que du coup samedi, je ne travaille pas. Le samedi d'après, je travaille et après, je suis en vacances. Donc ça passe super vite. D'ailleurs, il faut que je me magne à faire un marathon vidéo pour justement quand je serai en vacances. Et la dernière fois en fait j'étais allée chez Chausséa, j'avais trouvé une paire de chaussures pour le mariage, sauf qu'en fait en les essayant chez moi elles étaient trop grandes et la pointure en dessous était trop petite, donc je les ai ramenées. Et j'avais aussi pris cette paire de chaussures là pour cet été, donc elles sont à franges, elles sont comme ceci, elles sont super jolies. Donc voilà pour ça, je les ai payées 19,99 €, mais comme je travaille près de Chausséa, du coup en fait j'ai moins 10%, donc du coup je les ai payées 17 € et quelques, donc j'étais super contente. Et j'ai reçu quelques produits, j'en ai un point relais aussi, mais le problème c'est qu'ils sont fermés le lundi, parce que c'est chez un fleuriste. Donc j'irai demain matin. Sachant que demain matin, du coup, il faut que j'aille chez ma maman aussi pour récupérer ma tenue pour le mariage. Parce que bah, elle m'a la reprise pour la longueur, parce qu'elle était beaucoup trop grande. Donc voilà, faut que j'aille chez ma maman, parce que du coup, c'est pas la même. Enfin, c'est du côté de mon papa, le mariage, et donc. Ma maman n'y est pas. Et je voulais vous montrer aussi ce que j'avais reçu, dont un gros gros coup de cœur. C'est en fait le site. Est-ce qu'il est marqué là? Your Surprise. Donc c'est un site un peu de pour customiser des tasses, etc. Et donc moi en fait pour la fête des mères, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que il est super. Donc j'ai fait customiser une tasse pour ma maman, donc elle a marqué la plus belle des mamans, c'est la mienne, avec une photo de moi et ma soeur, une photo de ma soeur, non, de ma nièce, ma maman et moi, et une photo de ma maman, non, de moi et ma nièce. Et je sais que ça va trop trop lui faire plaisir. Donc voilà, je lui ai fait tout ça, en sachant que je lui prends aussi un sac, etc. pour la fête des mères. Et voilà pour ça, j'ai aussi reçu, et ça c'est un gros coup de cœur aussi, c'est le parfum de chez Nocibé en collection privée, c'est le Sunny Fruit. Qui est comme ceci, et j'en ai déjà un rouge que j'adore, mais alors lui, mais l'odeur, les gens, c'est une folie. Donc il est comme ceci, j'adore les packagings. Oups! J'adore les packagings, je les trouve super jolis. Donc, alors attendez, j'essaie de le fermer. Donc il est comme ceci, il est trop beau, et l'odeur. Il sent vraiment trop 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 bon. Donc voilà, c'est ces packagings-ci. Et franchement, j'aime beaucoup. J'ai aussi reçu, et ça j'étais super contente parce que j'avais oublié de l'acheter la dernière fois que j'étais à Lyon parce qu'il y avait trop de monde. C'est la Prep plus Prime de chez MAC. Donc c'est la Fix Plus en fait qu'ils ont proposé sur Octoly. Et j'étais trop contente parce que j'en ai quasiment plus moi. Donc voilà, c'est bien tombé. Plutôt que l'acheter, du coup, je l'ai reçu. Donc, vous savez que moi, c'est mon gros gros coup de cœur, cette brume-là. Et du coup, bah, comme samedi, je suis de mariage, etc. C'est vraiment le genre de produit que j'adore utiliser déjà pour faire tenir mon maquillage, mon fard à paupières, etc. Parce que je pense quand même faire un maquillage assez chargé et tout ça pour le mariage. Donc, je verrai tout ça. Et j'ai aussi reçu un pinceau de chez Black Up.
Donc vous savez que je reçois quand même pas mal de choses de chez Black Up que j'aime beaucoup. Et alors attends. Donc il est comme ceci, c'est un pinceau poudre et franchement je l'aime trop. Il est super doux donc faut que je le lave pour pouvoir m'en servir, etc. Mais franchement je suis super contente. Et demain ce que je dois aller chercher, comment on appelle ça, ce que je dois aller chercher chez au point relais, en fait c'est des produits que j'ai fait customiser pour moi, le site Mix Nature Laboratoire. Et en fait c'est un site où vous pouvez vraiment choisir ce que vous souhaitez mettre dans votre je sais pas, dans votre masque, dans votre gommage, dans votre gel douche, dans votre crème, etc., dans votre contour des yeux. Et en fait vous choisissez les ingrédients que vous souhaitez pour mettre à l'intérieur en fonction de votre type de peau, etc. Donc j'ai commandé pas mal de choses et donc je dois aller les chercher demain parce que du coup j'ai des au travail quand ils m'ont envoyé le produit, donc c'est pas grave, j'irai chercher demain matin avant d'aller travailler. Et j'ai aussi commandé, enfin demandé en fait là je suis en train de vous préparer un petit concours assez sympa et du coup quand c'est sur Octoly j'essaie de profiter de demander des produits qui pourraient vous plaire. Donc voilà. Et là du coup c'est j'ai demandé un lot en fait de 3 nouvelles crèmes et 3 gels pour les mains de chez Merci Andy et une palette de chez Nocibé, et j'en ai déjà une autre aussi pour votre concours, j'ai d'autres produits, etc. Donc voilà, autant vous en faire profiter aussi. Et je voulais aussi vous parler, donc je vous avais déjà parlé du petit rééquilibrage que je faisais par rapport à un site qui m'avait envoyé des produits. Donc en fait c'est le site, vous savez, c'est mon régime, et j'avais reçu, je vous avais déjà filmé la vidéo, j'avais reçu des repas tout prêts que je mangeais le matin, le midi, et des barres céréales pour le goûter. Donc les repas en eux-mêmes étaient super bons, il y en a 2-3 où j'ai pas trop raffolé, mais franchement je les mangeais, c'était super bon, je ressentais aucune sensation de faim. Vraiment c'était super. Pour le petit déjeuner c'était super bon ce que j'avais. C'était genre un truc avec des flocons d'avoine et tout que je mélangeais avec du lait, et genre c'était délicieux, que je faisais chauffer au micro-ondes. J'ai adoré. Il y avait aussi, je vous avais montré, pour faire de la purée. Ça je n'ai pas trop aimé. Donc mais c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Donc c'était de la purée, mais franchement j'ai vraiment beaucoup aimé le concept, j'avais aucune sensation de faim, les barres céréales du goûter étaient vraiment super bonnes, et j'ai vu des résultats, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler pour les personnes qui sont intéressées. Donc je vais chercher mon petit magazine où j'avais marqué du coup mes mesures, etc. Donc vous savez c'était ça que je vous avais parlé dans un vlog que je vous mettrai juste ici si vous voulez le voir, pour vous montrer un peu les repas que j'avais reçus. Et franchement c'était vraiment super bon, je m'étais régalée. Donc voilà, moi j'avais fait le programme j'avais fait moi le programme global. Donc j'avais reçu pour le petit déjeuner, pour la collation et pour le déjeuner. Et franchement c'était vraiment super bon. Et le petit déjeuner je crois que c'est l'aliment que j'ai préféré manger. C'était délicieux et j'avais qu'une hâte en fait, c'était d'être le matin pour pouvoir manger ça. Donc pour vous donner une ordre d'idée, j'avais commencé le 21 avril, je faisais un certain poids, je vais pas vous le dire parce que je suis encore assez trop complexée pour ça. Donc en tour de bras je faisais du 35, en buste 90, en ventre 80, en taille 92 et en jambe 59. Et du coup une semaine après, enfin 10 jours après, parce que du coup il y a des jours où je le faisais pas parce que j'allais manger chez ma famille, etc. Donc quelques jours après j'ai perdu en fait 2 kilos durant cette cure là, quasiment 2 kilos. En bras je faisais 31, donc j'ai perdu 4 cm de bras, j'ai perdu 3 cm de buste, 3 cm de ventre, 4 cm de taille et 5 cm de jambes. Donc vraiment j'ai vraiment perdu de partout, c'était vraiment super. Et là ce matin quand je suis allée chez ma nutritionniste, du coup j'en ai parlé, elle m'a dit que c'était très bien. Et du coup quand je suis allée chez ma nutritionniste j'avais perdu 1,3 kg, donc j'ai quasiment rien repris. Et vraiment ça c'est, je pense que c'est vraiment un truc que je pourrais recommander pour voilà, quelques fois je me dis faire ça une semaine ou quoi. Et puis c'est vraiment pas mal parce que moi du coup je pouvais pas trop cuisiner avec, enfin des fois j'avais un peu la flemme de cuisiner pour le boulot, etc. Donc je trouvais que c'était un bon compromis.
Et franchement, je me régalais, je mettais ça dans un tupperware et c'était délicieux pour le midi. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que j'étais super super contente de ce programme-là. Donc c'est mon régime qui me l'avait envoyé. Bien évidemment, je pense que vous le savez, mais je suis libre dans tout ce que je dis. Si vraiment ça ne m'avait pas plu, je vous l'aurais dit. Après, je peux pas mentir, ma nutritionniste, j'ai eu rendez-vous. Donc après, à côté de ça, vous voyez que le poids, je le perds quoi. Forcément, y a eu beaucoup de ça. Mais il y a eu aussi à côté parce que depuis 7 mois, il n'y a pas que ça. Enfin, depuis 6 mois, il n'y a pas que ça que je fais. Donc là, c'était que pour une semaine et franchement, je suis super contente. En plus, le relation client est vraiment super. J'ai eu un super suivi. Moi, celle qui m'a pris en charge, en fait, si vous voulez, je l'avais reçue par appel. C'était Benetta. Benetta, ouais. C'est celle qui m'envoyait des mails, savoir comment ça se passait dans la semaine. J'avais reçu un mail, savoir comment ça se passait, comment je tenais, en sachant qu'il fallait pas que je me pèse non plus tous les jours. Voilà, j'ai eu une nutritionniste au téléphone pour établir ensemble le plan alimentaire, en fait, du coup, ce que je préférais dans les repas, pour pouvoir choisir mes menus, etc. Et franchement, j'ai vraiment adoré ce programme-là. Vraiment, j'ai eu, enfin, de voir qu'on est suivi et qu'il y a une personne qui nous appelle, enfin qui nous envoie un mail, savoir comment ça se passe, etc. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié et c'est vraiment un programme que je vous conseille. Je vous conseille plus ce genre de produit, programme plutôt que Weight Watcher ou quoi que ce soit parce que voilà, je trouve que c'est une bonne alternative pour un petit programme. Certes, ça vaut un certain prix, mais du coup, c'est des produits que vous n'aurez pas acheté en course. Donc, quand on fait le calcul, voilà, c'est pas trop trop mal. Et voilà, donc je voulais vraiment aussi vous parler de ce. Que là, pour ce dimanche, vous aurez une journée dans mon assiette que j'ai filmée. Le samedi, enfin le lundi, le mercredi d'après, je pense que je vais vous filmer du coup. Enfin, vous, si j'ai vous. Si j'ai filmé du coup mon look. Enfin, mon. Get the look du mariage, je vous le montrerai. J'ai filmé une playlist. J'ai pas mal de vidéos à vous filmer aujourd'hui. Du coup, bah, j'ai décidé de mettre ce vlog. Et voilà. D'ailleurs, je suis super contente des retours que j'ai eu sur la morning routine. Franchement, j'ai vraiment pris du plaisir à la filmer. C'est des vidéos qui durent vraiment longtemps à préparer. Le montage aussi. Et pourtant, c'est des vidéos les plus courtes. Donc, sachez en fait que les vidéos les plus courtes sont les vidéos les plus longues à monter. Donc voilà. Eh bien écoutez, voilà les filles, je voulais un petit peu vous montrer tout ça, discuter avec vous. J'espère que ce petit, tout petit vlog vous a plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!